Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la course réservée aux gens qui ont une FTP inférieure à 3,2 watts par kilo. Un parcours qui est relativement plat pour une fois. Mais du coup assez long, 35 km. Et donc on va voir ce que ça donne. Et juste une toute petite bosse de 5%. Paf, paf. Paf, c'est parfait ça. Et on devrait être rejoint par Franck. Alors je ne sais pas s'il va venir en local, mais en vocal, pardon. Mais en tout cas, je sais qu'il voulait faire cette course. Alors, disclaimer. Hier, on voulait juste faire une course super rapide par élimination, qui était censée durer 5 minutes. Pour des raisons techniques, la course n'a pas eu lieu. Quasiment pas. On va dire que il y a eu un tour et puis ça s'est arrêté. Du coup, on s'est lancé malgré nous sur le parcours du contre-la-montre individuel des championnats du monde organisés sur RGP. Et on a fait 45 minutes à fond, 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 fond. J'ai battu mon record de puissance poussé sur 45 minutes, pas de souci. On est très content. Sachant qu'en plus, je suis plus léger largement que le record de 45 minutes que j'ai battu. Donc en watts par kilo, c'est encore mieux. Donc tout ça, c'est très bien. Mais j'ai mal aux jambes. Il y a quelques noms connus, du coup, dans les gens qui sont là sur la ligne de départ, ça c'est cool. Alors du coup, c'est marrant parce que... Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais du coup, dans le son que vous entendez, on dirait que le bruit du home trainer est immonde. Et je vous jure qu'en réalité, c'est pas si grave que ça. C'est juste qu'il y a une couche au-dessus qui essaye d'enlever le bruit et d'isoler la voix. Et du coup, ça fait un mix bizarre. Parce que je pense que les fréquences du home trainer sont pas loin de la voix humaine. Du coup, cet après-midi, juste avant de nourrir le corps, on avait nourri l'esprit, on regardait un reportage d'Arte sur Guillaume le Conquérant. Donc sa vie, son expansion depuis la Normandie vers l'Angleterre, et la fin de son règne, et du coup, la dislocation, parce qu'il a décidé de... d'enlever l'Angleterre qu'il avait conquise à ses fils et du coup tout ce qu'il a passé sa vie à construire, et ben ça a été remangé instantanément derrière par les Anglais. Voilà, on est déjà une petite dizaine. Je vois qu'il y a aussi des bottes. On ne sera forcément pas tout seul. Donc au pire, si on explose,
On finira quand même la course. Mais peut-être dans une zone spécifique. Bon, on verra un état. Parce que hier, le cœur, ça allait. Là, c'est vraiment au niveau des muscles et des articulations que je sens que les efforts commencent à s'accumuler entre la séance de mardi qui était assez intense, les sprints de mercredi qui est pendant une heure. Hier, petit sprint plus le contre-la-montre à fond qui n'était pas du tout tout plat. On a vraiment tout donné jusqu'au bout. Jusqu'au bout des réserves. J'ai eu beau faire les entraînements, j'ai pas beaucoup dormi cette semaine. Et donc je le sens. Et là j'ai un peu peur sur la répétition des efforts. Mais on verra bien. Et en plus, du coup, demain matin, il y a aussi la course de la T2 Area. Alors, c'est de nouveau une soixantaine de kilomètres. Encore un peu plus de dénivelé positif que là. Et avec un bon niveau, des gens qui participent ont vraiment un bon niveau en général. Donc, c'est pareil, il y aura de nouveau un point d'interrogation sur la participation. Le but est de progresser, pas d'exploser complètement et aussi de se laisser un peu de marge pour les semaines d'après. Donc vous voyez à droite le panneau, il indique 8,7 km avec un tout petit peu de dénivelé positif, mais vous allez le voir au-dessus de la liste des coureurs quand ça va se lancer. Et vous le voyez de toute façon déjà en bas là-bas. La course fait 35 km. Il y a 4 tours en fait. Les 8,7 km, on va les faire à 4 fois. Monte bien sur une ligne. Ah non, voilà. Il va toujours pas Franck. Il va se connecter vraiment au dernier moment. Et alors du coup sur un terrain plat comme ça, ça va être très difficile de connaître le niveau des gens. Parce que en fait la manière dont est classifiée la course, c'est en watts par kilo. Donc tous les gens qui sont là sont censés avoir une FTP inférieure à 3,2 watts par kilo. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la FTP, c'est la puissance que vous êtes capable de pousser pendant une heure entière d'effort. Par exemple, la mienne, elle est à 230, à 225-230. Donc, je suis capable de pousser 230 watts pendant une heure.
Vous divisez ça par votre poids et ça vous donne des watts par kilo. Donc moi, par exemple, ça correspond à 3 watts par kilo. Donc je suis inférieur à la limite, c'est bon, je peux participer. Sauf que sur un parcours aussi plat, c'est des watts purs qui comptent. Vous luttez contre le vent, donc c'est les watts que vous êtes capable de pousser qui vous font avancer. Les watts par kilo, c'est surtout utile pour des courses avec beaucoup de dénivelé quand vous luttez contre la gravité. Donc entre quelqu'un qui fait 50 kg et quelqu'un qui fait 100 kg, ben vous pouvez être en dessous de la limite, mais pousser le double de watts de votre voisin. Donc, pour une course comme ça, assez plate, le niveau va être très disparate. Mon voisin à gauche, par exemple, avec le maillot No to War, je sais qu'il est bien plus lourd, par exemple, que la plupart des autres coureurs. Il doit faire pas loin de 100 kg. Donc lui, par exemple, il peut pousser 320 watts et toujours être OK et tenir dans la limite. Sauf que moi, 320 watts sur le plat, je le tiens pas. Donc, à droite, par exemple, vous avez un avatar féminin. Je ne sais pas si c'est une fille ou pas. Mais par exemple, elle, du coup, pour être dans la même limite, si elle fait 50 kg, et ben, si elle dépassait 160 watts, ben elle pourrait plus se qualifier pour la course. Elle serait trop forte. Sauf qu'elle ne peut pas tenir le gars qui pousse 320 watts. Donc, c'est pour ça que d'habitude, sur cette course-là, ils mettent un peu de dénivelé. Histoire que ça compense un peu en fonction du gabarit. Dans le chat par défaut ça la tape, bah vous le voyez hein, ça le tape en gris sur blanc avant que ça parte. Voilà, c'est ce qu'on disait, du coup, les coureurs les plus lourds sont contents. Depuis 4 mois, j'ai entrepris un travail de mise au poids efficace, on va dire, qui marche, mais qui fait que du coup je suis plus léger qu'avant. Donc en watts par kilo c'est mieux. Et ce qui est marrant du coup c'est que je fais quand même des exercices pour garder les mêmes watts. Donc ça se passe mieux dans les montées. Donc c'est sûr que c'est plus simple sur le plat à un force égale, on va dire, pour quelqu'un qui fait 90 kg que quelqu'un qui en fait 50.
Et il y a tout le monde qui fait de la pub pour Franck. Donc l'autre coureur RGTFR. Ah, mettre sur le behind, hop, voilà. Là, on touche un peu, on touche en face. Ça permet de regarder derrière. Oh, bon, on est une vingtaine, c'est pas mal. Allez, c'est parti, on va louper le départ. Il y a 100 mètres sans drap. Voilà, là ça s'active. Du coup, il y en a qui n'ont pas réussi à prendre le départ. Donc, on n'est que 13 devant. Alors dans les gens très forts, il y a l'allemand, mais alors je ne sais pas s'il est léger ou pas. Le macédonien à côté, Lazare, il est très fort et très lourd. Alors moi j'ai pas envie de faire la poursuite, hein. Et je sais que lui, il ne veut jamais rouler tout seul, avec devant. Non mais toujours 12. Hein. Je surveille combien on est. À chaque fois, pour pas se faire avoir derrière. Alors si j'avais pas fait la sortie hier, je pense que je me serais amusé à à suivre les attaques.
La semaine dernière, j'ai voulu passer des relais à Lazare. Et lui, on va dire, a beaucoup profité. Enfin, je me méfie maintenant. Alors, lequel est casque orange. Il a un maillot ukrainien. Mais ils sont beaucoup comme ça. Donc là, il est derrière, 11 millions. Ouais, donc le casque orange. Les vélos. Jaune. À ma gauche, là, non? Ouais, c'est ça. Donc Franck. Les vélos jaunes. Du coup, les avatars fans dans les tournants sur RGT. Donc, il y a un tournant un peu sec. Les watts en haut à gauche passent au rouge. Pour vous dire que votre avatar est en train de freiner. Comme d'habitude, ma préférée, il y en a un qui arrive à suivre.
Ah, il n'y en a qu'un sauté. Putain. Attention parce que le mec il s'active là. Et du coup derrière moi, il est clairement au-dessus de notre catégorie. Hein. Le mec avec le drapeau de l'Arabie Saoudite. À 4,8 watts par kilo. Il est dans l'orange. Parce que du coup, quand vous poussez à FTP, la barre va être jaune. Et lui, il a 3,2 watts par kilo. Il est en bleu cyan. Donc en zone de récup, en zone 2, on va dire.
Là, ici, la première montée, c'est la plus pentue. Allez, 3-4 poches. Parfait. Maintenant, on continue. Moi, je fais exprès de laisser un trou.
monde a besoin de sauter, je crois. Il a réussi à revenir.
J'ai pas vu que c'était la Bordague. On fait de notre mieux. Je suis très content parce que pour l'instant, c'est sur mes attaques que les gens ont commencé à lâcher. Et du coup, devant, on n'est plus que 8. Le problème, du coup, c'est qu'on n'est plus que 8. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de draft. Mais comme tu peux voir en haut à droite, il y a un score qui s'appelle la TSS. La charge d'entraînement. Quand tu fais une heure à max, tu arrives à 100. Or là, en une demi-heure, j'ai déjà grillé les trois quarts de mes points de vie. Donc là, j'ai besoin de souffler. Et du coup, la course est catégorisée. Mais la catégorie s'arrête au-dessus de moi. Donc, il y a des gens plus forts que moi, je peux dire, qui respectent les règles. En une heure à fond, je consomme, si tu veux, 100 points de TSS. C'est le score qui vaut 76 pour l'instant là. Donc j'ai fait 76 en une demi-heure. Donc je ne tiendrai pas 150. Je suis obligé de souffler. Exactement. Faire par exemple toute la discussion dans le chat c'est par rapport au mec avec le maillot blanc et le drapeau de l'Arabie Saoudite. Lui là il repose, ça se voit la couleur de à côté de son nom dans la liste des dans le classement à gauche là. Il arrive à être en bleu donc à se reposer à 3,5 watts par kilo. Or, la course est censée être réservée aux gars qui tiennent au max, donc en jaune si tu veux, 3,2 watts kilo en une heure. C'est jamais à mon tour de passer devant. Je suis grillé. Donc moi je suce les roues. Et là j'ai un coéquipier. Le mec qui s'appelle Hero. Il fait partie du même club virtuel que moi. Donc s'il attaque, je ne ferai pas l'effort de rouler sur lui. Mais je suis autorisé à rouler derrière les gens qui le poursuivent. Je pense pas que les autres les équipes et évidemment tous ceux qui portent pas le maillot
sont anti-anti. C'est logique. Un kilomètre en une demi-heure. 40 à l'heure. Tu m'étonnes que c'est pas Maureen. Sachant que là, je me cache. Mais je peux te dire qu'au début, je me cachais pas. Hein. Au premier tour, j'ai fait la moitié du tour tout seul devant en tête. Oui, tout à fait. En vélo aussi, il faut sortir couvert. Je vais rattraper mes couvertures. Voilà, là, je suis bien là. En plus, ça, c'est parfait. Le circuit est tout plat, donc... On est bien à l'abri. Ça roule vite, donc on est bien protégé. Allez, là ça monte, attention. Alors, je crois qu'on n'a pas suivi. Allez, il y en a deux qui sont un peu derrière. Mais ça n'insiste pas. Juste derrière, hein, j'insiste pas. Je voulais voir dans la côte qui suivait et qui suivait pas. Allez, repos. Et il y a un bug aussi dans RGT. Le score de stress au-dessus à droite. Évidemment qu'il peut aller au-dessus de 100. Si tu roules 2 heures, ça peut dépasser les 100. Mais ils ont laissé un clip quelque part dans le code. Donc pour l'instant, c'est clippé à 100.
Est-ce qu'il te pousse? Alors ça dépend de la différence de watts. S'il va à peine, s'il va grosso modo à tes vitesses et que tu le gênes, son avatar va freiner. Il va beaucoup plus vite que toi. Pour éviter d'être trop embêtant, son avatar te traverse. Donc quand on roule en groupe, ça arrive plein de fois que le nombre en haut à gauche devient rouge pour t'indiquer que ton avatar freine. Voilà par exemple. Enfin, ça arrive une demi-seconde, mais... Quand le groupe est assez compact, là tu vois ça arrive. Là mon avatar freine par exemple. Le gars devoir arrêter de pédaler et... Si je veux le dépasser en force, faut que je fasse un mini sprint. Comme ça. Et là du coup je vais traverser. Bon, le mec devant est... a pris 10 secondes d'avance. Allez, dans la mini-boss qui arrive, on sait que ça va partir. Il y a un mec devant, il y en a qui vont vouloir le rejoindre. Donc on peut anticiper. Allez, il n'y a plus que 7-8 secondes d'écart.
Oh, les points inutiles. Je pense que le mec comprend pas. Bon, il y a des gens aussi forts avec une équipe moins forte. Et je parierais que le mec fait 60 kilos et il comprend pas que sur le plat, des mecs de 100 kilos sont censés lui mettre la misère. Voilà. Je ne vais pas venir longtemps. Oh, la vache. On a repris le fuyard. À l'époque. Allez, Foxy, super!
Allez, 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 allez! On va peut-être réussir même à laper des coureurs. Allez Franck, lâche pas. Ça revient pas derrière. Allez. Allez, regardez ce qui se passe. Elle croit qu'il fait bien. Bon, ils sont quatre devant. Mission impossible. Espérer qu'il y en a un qui décroche et qui explose. Mais ça n'a pas l'air d'arriver. Allez, Franck. Toujours 80 mètres d'avance. Et derrière, il bosse, hein, il se repose pas.
Là, je suis en train de revenir. On va regarder le sprint. On se met sur Franck. Hop. Allez Franck. Donne tout. Un kilomètre et demi. On fait 2 km. Et ils sont en train de laper des coureurs. Et en même temps, en train de se faire rattraper. Allez, ils ont 1 400 km. Ils ont passé la bosse. On va arriver dedans. Moi, je suis en train de taper les coureurs en bas, vous avez vu sur la caméra. Yes! Allez, Franck, l'aspiration. Un très bon sprinter, Franck. Allez, 350 mètres. Il est deuxième là, 200 mètres pour pousser. Parfait, parfait, parfait. Allez, pour rester. Allez, après le tournant. Allez, Franck, 1000 watts. Bravo, GG. Allez, pendant qu'il est freiné, encore un. Il m'aura pas derrière. Il est trop loin. Allez, juste histoire de montrer 800 watts. Ah, 194 pulsations par minute, on est mort. Moins d'une heure pour faire 80... c'est ça, oui, 85 km sur ma moto. Moins d'une heure pour faire 35 km. Bon, évidemment, on roule en groupe, hein, ça aide. Mais à la fin, il voulait plus de moi dans le groupe. Au début, je voulais pas d'eux dans le groupe. Et à la fin, ils m'ont dit, bah, puisque tu voulais dégager tout le monde, eh ben, on te kick.
Et vous voyez, l'écart est pas grand, hein. Ça se joue à une demi-seconde devant là. Franck, il gagne d'une demi-seconde devant le mec un peu fort. Et j'ai réussi à tenir à 1 minute en roulant pas mal tout seul. Donc ça, c'est bien. Oui, c'est vrai qu'il est pas en vocal, Franck. Bravo. Et il aura bien sûr la VOD de son sprint sur son Discord. Caméraman officiel. Et alors du coup, la fameuse T16 dont on parlait, on peut aller regarder parce que sur l'écran de fin, il n'y a pas le clip. Est-ce que vous voulez finir? Oui, on veut finir. On veut finir. Alors, ça ce que ça veut dire. La FTP, donc la puissance qu'on est capable de pousser pendant 1 heure. Le jeu s'amuse à. Le jeu, la plateforme, comme vous voulez. S'amuse à regarder vos efforts de 20 minutes et d'une heure. Pour vous dire si jamais vous avez mal estimé votre FTP. Et donc là, comme on a donné à fond. RGT vous dit, ouais, est-ce que tu es sûr que tu veux garder ton ancienne valeur? Je crois que j'ai mis 230. Et la passer à 240 watts. Alors le problème que j'ai, c'est que cette valeur est extrapolée sur votre meilleur effort de 20 minutes. Et je suis meilleur sur 20 minutes que sur 1 heure. M'écrase un peu, j'ai pas d'endurance. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je fais la moyenne entre ce que RGT me propose. Donc basé sur un effort de 20 minutes. Et les vrais watts que j'ai poussés sur 1 heure complète avec le crash. Et en général, ce qui se passe, c'est que sur 1 heure, j'arrive à pousser 220. Sur 20 minutes, j'arrive à pousser 260. Donc, à partir de 260, ils estiment que sur 1 heure, je serai capable de tenir 240. Donc, bref, je fais la moyenne entre 220 et 240 et je laisse 230. Voilà, pour l'explication. Et ça n'a aucune valeur à part afficher la couleur de la barre d'effort à côté de votre avatar de la bonne couleur. Et surtout, pour ce qui m'intéresse, les entraînements qu'on fait, quand vous faites du fractionné, des efforts d'endurance et tout ça, ça vous demande toujours des intervalles. Genre, vas-y, pousse 50% de ta FTP en endurance. Puis tu fais 10 minutes à 90% de ta FTP. Donc la valeur de FTP sert à ça quand vous faites des entraînements, de travailler dans les bonnes zones. Donc pour moi, ça m'intéresse d'avoir la bonne valeur bien calibrée quand on fait des entraînements. Alors voilà. Et donc la TSS, c'est complètement fausse. Je sais pas pourquoi là il m'affiche 212. Ce n'est absolument pas possible. En 57 minutes, c'est impossible. C'est complètement impossible. Du coup, il me met un doute, est-ce que j'ai fait une typo? Non, non, la FTP est bien réglée. Donc, il déconne. Complètement. Et du coup, on va regarder. Faire un autre logiciel. Pour vous montrer d'autres choses. Que je fais à partir de cette fameuse FTP. Et un autre truc qu'on peut faire, qui est de bien s'entraîner, c'est-à-dire de faire la bonne charge. Ok, donc sur l'autre logiciel, il me dit que j'ai fait 111 de FTP. Et donc lui aussi, il me dit que la FTP, elle devrait plutôt être à 240 qu'à 230. Sauf que c'est. Bah, ça dépend des intervalles. En gros, sur 1 heure, ça va, mais sur les sprints et tout ça, je suis très mauvais. Et du coup, si je montais ma FTP, les exercices de sprint, j'exploserais encore plus en vol que ce que je fais. Du coup, ce que je peux vous montrer, c'est ça. Du coup, il faut que je change la scène. Que j'aille sur ça, c'est ça? Ouais. Ouais, ça s'affiche directement bien. Ouais. Je sais pas à quel point c'est lisible. Alors, beaucoup de courbes, beaucoup de chiffres. Voilà, vous passez ça à votre assurance vie et vous demandez un rabais.
pour vous demander des emprunts et tout ça, pour dire que vous êtes en bonne santé, que vous faites du sport régulièrement. Du coup, vous connaissez tous, à mon avis, Strava, mais Intervals est un peu moins connu. Et donc, à partir des efforts que vous faites, RGT envoie ses données sur Strava et Intervals récupère de Strava les exercices que vous faites. Donc, tout ce que vous loguez et que Intervals connaît, il est capable de vous le montrer. Ce qui est très important d'abord, c'est de commencer par visualiser les données de manière précise. Et après, une fois qu'on s'assure de la qualité des données, on peut peut-être en faire quelque chose. Du coup, il y a plusieurs courbes dessus et je vais en expliquer juste une ou deux. Là, je ferai un truc détaillé quand j'aurai du souple pour parler. Et quand l'écouteur ne sera pas décalé avec le retour du stream, ne sera pas décalé de 3 secondes, parce que parler avec son écho de soi-même avec un écart de 3 secondes, ça va me rendre fou au bout de 5 minutes. Du coup, ce qu'on appelait la TSS juste avant, c'est ce que Intervals appelle la charge. Parce que pourquoi changer de wording? Pourquoi pas changer de wording quand on peut? Et cette charge, cumulée sur une semaine, ça vous donne la fatigue. C'est la moyenne quotidienne de charge. Donc en fait, là par exemple aujourd'hui, j'ai une fatigue de 65, ce qui veut dire que sur les 7 derniers jours, c'est comme si j'avais fait tous les jours un exercice avec 65 de TSS. J'espère que c'est à peu près compréhensible. Donc aujourd'hui, on a fait 111 par exemple, mais il y avait des jours de repos où j'ai pas fait de vélo, donc c'est normal que on soit pas à 100. Mais plus on s'entraîne, plus la fatigue monte. Et donc quand on fait des entraînements, on a envie d'augmenter la charge d'entraînement, et donc on a envie que la fatigue monte. Donc jusque-là, c'est logique. Donc là, mardi, mercredi, avec les copains de RGT, toutes les semaines, on fait une séance de seuil le mardi, une séance de sprint le mercredi, et je rajoute une ou deux courses, et voilà, et ça fait monter la fatigue. La fitness, ça part aussi de la charge. Donc aujourd'hui, on a fait une charge de 112 par exemple. Mais la fitness, donc c'est la moyenne. Cette fois-ci sur les 42 derniers jours. Donc c'est juste, on prend une plus grande période. Et donc ça vous dit à quel point, en gros, si on essaie d'expliquer ça avec les mains, c'est combien de charges d'entraînement votre corps est habitué à encaisser. Donc c'est votre charge habituelle d'entraînement, on va dire. Et donc si vous voulez progresser, il faut faire des exercices diversifiés, donc des sprints, de l'endurance, etc., si possible. Donc diversifié. Et si possible, sur vos faiblesses, donc par exemple moi je suis nul en sprint, donc j'ai rajouté une séance de sprint par semaine. Et le volume d'entraînement, et ben quand on ne se connaît pas, la TSS qui vous donne la fatigue et la fitness sont des très bons indicateurs de combien vous êtes capable d'encaisser et combien vous vous êtes combien vous vous êtes infligé les derniers jours. Et donc, pour progresser, on a envie que la fatigue soit supérieure à la fitness, mais pas trop. Et donc, il faut surveiller l'écart entre les deux. Donc, il faut essayer que la fatigue parte pas trop non plus trop loin. Et donc, en bas, la courbe qu'ils appellent forme, si vous êtes observateur, vous avez remarqué que c'est tout simplement la différence entre les deux. Donc, la vie est bien faite. Donc, tant que c'est dans le vert, c'est que la différence entre ce que vous vous infligez et ce que votre corps est habitué à encaisser n'est pas trop élevée. Et en rouge, sans surprise, ce qui est marqué comme high risk, donc risque de blessure et compagnie, c'est ce qu'on appelle aussi le surentraînement. Et donc si l'explication vous a paru à peu près logique jusque-là, c'est effectivement que vous vous infligez des séances ou un volume d'entraînement bien trop élevé par rapport à ce que vous êtes en général habitué à vous infliger. Donc maintenant, par exemple, les dernières semaines, depuis la rentrée de janvier, j'essaye de crafter, on va dire, c'est beau vous dire crafter, mais j'essaye de faire les entraînements à la cool, c'est-à-dire je choisis moi-même le type d'entraînement que je veux, donc endurance, sprint, etc. Et pour le volume, je surveille ces courbes-là. Voilà, par exemple, demain, je pense que
J'avais hésité à faire une course, mais journée de repos, ça sera très bien pour être prêt mardi, faire une bonne séance de seuil. Et c'est pas la peine de charger la mule outre mesure. Faut se laisser de la marge et ne pas se dégoûter complètement. J'ai déjà bien assez mal aux jambes comme ça. Hier, on a fait déjà une séance de 45 minutes. On a failli dégueuler à la fin, mais on a fait notre record sur 45 minutes. Là, on a encore fait une heure à fond. Mardi, mercredi, c'était des séances à fond. Mardi, mercredi qui viennent, ça va être encore des séances à fond. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir s'amuser. Et donc, la seule barre qui me manque, c'est des efforts un peu cool d'endurance. Donc, si vraiment je voulais caler une heure de quelque chose, ça serait juste tourner les jambes, mais sûrement pas faire une course demain. Donc voilà, intervalle, un outil pratique quand on ne suit pas un plan d'entraînement déjà tout fait par défaut. Et moi j'aime bien, donc voilà. Une fois qu'on a compris comment ça marchait, on trouve ça assez pratique. Je trouve ça assez pratique. Et ben, moi je vais aller finir de dégouliner, prendre une douche et peut-être que je reviens pour The Witcher, à voir. Restez curieux, en bonne forme, faites du sport, reposez-vous, c'est important. Et bonne fin d'après-midi, peut-être à tout à l'heure. Salut, salut!